bienvenue sur la chaîne du chuchoteur ASMR. Aujourd'hui, je vous propose non pas une vidéo ASMR, mais plutôt un sondage. Comme je vous l'avais évoqué il y a plusieurs semaines, j'allais vous faire passer un message assez important, dans le sens où ce message s'adresse à tout le monde, à toute la communauté ASMR française, j'entends. On va essayer de raisonner français pour le moment. Je vais vous proposer un questionnaire de 6 questions, donc c'est très rapide à remplir. Et en fait, les questions vont se présenter de cette façon, c'est-à-dire que, en gros, je vous ai établi un questionnaire qui va évoquer 6 points, et je vais vous le lire. Le lien de ce questionnaire est dans la description de la vidéo. Ne m'en voulez pas pour la qualité de la vidéo parce que je fais ça avec mon téléphone portable. Donc je suis à l'étranger pour le moment et j'ai pas le matériel adéquat. Donc, de toute façon, c'est une vidéo sous forme de blog ou vlog, pardon. Donc en fait, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait peut-être intéresser tout le monde. Je pense que tout le monde a eu l'idée, mais si on s'y met tous, peut-être qu'on va pouvoir arriver à quelque chose de correct et d'intéressant. Le questionnaire, en fait, c'est simple, c'est « Seriez-vous intéressé par une rencontre avec les youtubeurs ASMR français ?» Donc cette question s'adresse non seulement aux youtubeurs français, ASMR j'entends, et aussi aux abonnés ASMR. La rencontre se ferait dans une salle ou annexe sous forme de forum dans la ou les régions les plus demandées. Nous pourrions échanger nos idées et voire même faire des démonstrations en direct via le matériel respectif de chaque youtubeur. Et tout ça sous forme d'atelier. Donc n'hésitez pas à faire tourner ce questionnaire, chaîne youtubeur ASMR français et abonné. J'attends les résultats de ce sondage pour pouvoir choisir la région la plus intéressante. Cordialement, le chuchoteur. La première chose à faire, c'est de remplir votre pseudonyme. Donc si vous êtes abonné, mettez votre pseudonyme YouTube. Ok, c'est important. Et pour vous, les youtubeurs français, donc les collègues, forcément, mettez votre chaîne YouTube. Comme ça, on va savoir qui dit quoi. Donc la question 1, c'est vous êtes youtubeur ASMR homme ou youtubeur ASMR femme ou abonné homme ou abonné femme. Vous avez 4 types de réponses. Vous avez la deuxième question où vous devez mettre votre âge. Donc c'est pour voir à peu près la moyenne d'âge sur ce questionnaire ou les gens qui seraient censés être intéressés. La question 4, c'est quel jour de la semaine seriez-vous disponible? Ok. Après, vous avez la tranche horaire qui vous irait le mieux. Et la dernière question, pensez-vous qu'une rencontre YouTube ASMR, abonné ASMR, voilà, donc on est en centre-ville, hein, ça vous avez compris, j'en peux plus des klaxons. Donc pensez-vous qu'une rencontre YouTube ASMR, abonné ASMR peut être intéressante, oui ou non, et puis après vous avez la possibilité de développer votre réponse sous forme de commentaire. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est, il n'y a rien de nouveau, c'est juste une rencontre entre les abonnés et les youtubeurs. Il y a beaucoup aujourd'hui de forums ou de réunions qui proposent ce genre de choses. Et aujourd'hui, la communauté ASMR n'a pas de repère fixe. On s'échange des messages, des vidéos et des moyens entre guillemets de relaxation via YouTube, qui est un excellent moyen de communication aujourd'hui, mais j'ai dans l'idée que ça peut non seulement être intéressant pour les youtubeurs, mais aussi pour les abonnés de se rencontrer. Alors toutes les réponses sont bonnes à prendre dès l'instant où c'est constructif. Il ne s'agit pas de dire non, ça m'intéresse pas ou quoi et qu'est-ce, ou de commencer à envoyer des commentaires, excusez-moi du terme à la con. Je pense que pour quelqu'un qui se lance en tant que chaîne ASMR, c'est aussi intéressant peut-être d'avoir les conseils d'autres personnes qui sont là depuis un moment
et aussi de développer leur chaîne, d'augmenter leur nombre d'abonnés, de se faire connaître. Et pour ceux qui sont plus connus et qui sont plus, comment dire, plus connus et plus reconnus, d'aussi transmettre le savoir. Il faut bien comprendre que je propose ça pour partager, en fait, un savoir et partager une idée. Et non pas pour faire une sorte de compétition. Parce que j'estime que Internet est tellement grand et tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun peut proposer son style. Sachant qu'on a tous un style différent et qui est très intéressant d'ailleurs pour beaucoup. Donc que vous soyez abonné ou déjà YouTubeur, donc avec une chaîne existante depuis peu importe un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ou novice et vous venez de commencer, vous ne savez pas trop comment vous orienter ou comment aborder vos sujets. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc, j'appelle tous les abonnés, donc tous mes abonnés à moi, plus les abonnés des autres chaînes qui verront certainement ce message, mais aussi les youtubeurs ASMR. Je fais un appel large, je sais que c'est... Je crie du haut d'une montagne, mais je pense à French Whisperer, qui fait beaucoup de vidéos, qui a un travail très fourni, avec des sujets super intéressants. Je fais appel à Nicolas à ASMR Relaxation, qui est très bon dans ce qu'il fait. Cyril Bio aussi, qui fait beaucoup de sujets sur différents produits, différentes choses. Je vais en oublier forcément, mais bon, j'en ai deux ou trois qui me viennent en tête. Mylène ASMR, l'ASMR français, Miss ASMR, EM ASMR, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est EM ou M ASMR, French ASMR, Mademoiselle Whisperer, Inessentiel ASMR, Pierre ASMR, Anita ASMR, B ASMR, Petit ASMR, Célia ASMR, Arnaud ASMR, l'apaisé ASMR aussi. Après, je pense, enfin, il y en a beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Pardonnez-moi si j'en ai oublié un ou deux, mais on est de plus en plus et on est vraiment tous différents les uns des autres. Et je sais que on a tous nos particularités. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de mettre ça en commun. Donc moi, je pense que c'est mon avis. Hein, c'est pas. Je pense qu'il serait intéressant de voir, donc sur ce sondage, d'où vous venez, quel âge vous avez, si ça vous intéresse ou pas. Tout ça serait totalement gratuit, bien évidemment, parce que pour moi, le savoir doit être accessible de tous. Et j'invite vraiment tous mes homologues, en fait, toutes ces personnes que je viens de citer à essayer de remplir ce questionnaire aussi, voire même de rentrer en contact avec moi pour mettre ça au point, parce que moi seul je vais pas faire grand chose, j'ai besoin de vous aussi, de distribuer soit cette vidéo, je sais que ça peut poser peut-être un problème, mais ou ce questionnaire en tout cas, de le diffuser, pour que ensemble on puisse choisir une ville en France, ou plusieurs villes, pourquoi pas, où justement, nous tous, on pourrait se déplacer dans cette ville afin de rencontrer vos abonnés et les abonnés des autres personnes, quoi, tout simplement. Je vais faire une toute petite parenthèse. Il y a quelques temps, on avait une youtubeuse française qui m'a donné envie de créer cette chaîne ASMR. Elle s'appelle Amandine Leloup ASMR. Comme vous l'avez tous constaté, sa chaîne a disparu. Je suis pas du genre à écouter ce qui se dit ou à me mêler des affaires des autres, parce que ça me regarde pas, pour être honnête. Mais j'ai cru comprendre qu'elle avait été... comment je pourrais dire,
ennuyer ou embêter ou agresser verbalement, enfin, bon, bref, par des connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par des connards du net. J'appelle vraiment Amandine. Je sais qu'elle a certainement peut-être dû, enfin, j'imagine qu'elle a passé, qu'elle est passée à autre chose, mais ça serait vraiment bien que Amandine, si tu écoutes cette vidéo, enfin, si tu regardes cette vidéo, que tu rentres en contact avec l'un de nous, peu importe moi ou peu importe hein, tous ceux que j'ai cités juste avant. Je pense que tu as des contacts avec Cyril Bio, si je ne dis pas de bêtises. Que tu rentres en contact avec nous justement pour venir à ce petit rassemblement, ou je sais pas comment on peut appeler ça, un forum, une conférence, je sais pas, cette petite réunion. J'aimerais vraiment, et je pense que les autres aussi, aimeraient que tu viennes parce que t'apportais beaucoup en fait à la communauté et tu et t'avais cette façon en fait de relaxer qui était propre vraiment à toi et qui était qui était vraiment cool quoi. Donc et je sais pour avoir parlé avec plusieurs personnes que tu manques beaucoup à cette communauté. Ce que tu faisais était très bien, même si comme tu le disais souvent t'avais des petits problèmes techniques et que t'y connaissais pas grand chose. Ça n'enlevait pas le côté magique de tes vidéos. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que tu te, enfin que tu prennes contact avec nous tous et que tu fasses partie de cette équipe-là. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc, pour vous les abonnés, j'ai mis en place ce petit questionnaire avec la possibilité de répondre. Toutes les réponses que vous allez mettre sont comptabilisées. Je crois qu'on ne peut pas faire plus de 150 réponses par mois. Alors je suis désolé, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir faire un sondage rapide et simple. Mais je ne peux pas avoir plus de 150 utilisateurs par mois. Enfin bon, ça va déjà nous donner une bonne idée. Mais je pense que le message va être relayé par tout le monde, donc ça devrait bien passer. Donc toutes les réponses que vous allez donner vont être comptabilisées, vont être enregistrées et classées. Et pour vous, les youtubeurs, ASMR, je vais prendre en compte aussi votre localisation, forcément, la ville. Parce que le but, c'est que nous, on se déplace dans cette ville ou ces villes. Alors je pense qu'il faudrait peut-être en faire deux ou trois pour pouvoir justement essayer de voir un peu tout le monde. Mais je compte vraiment sur vous pour diffuser ce questionnaire si évidemment ça vous intéresse. Et on prendra contact donc tous ensemble pour choisir cette ville et voir un peu l'aspect logistique de tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas grand chose à ajouter. Donc faites tourner ce questionnaire, faites tourner cette vidéo là, essayez de diffuser ça un maximum. Si vous avez des questions, alors je sais que je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout le monde en même temps, mais si vous avez des questions ou quoi et qu'est-ce, surtout pour les youtubeurs ASMR, n'hésitez pas, je vais vous répondre, on se met d'accord. Si vous avez des idées, surtout dites-les moi, comme ça on va essayer de faire quelque chose de cool. Et puis après vous pourrez diffuser ce message aussi proprement et correctement quoi. Voilà, et surtout encore une fois, si vous avez des idées ou des trucs qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me le faire savoir hein. Et quant à vous les abonnés, nous on va vous tenir au courant sur nos chaînes respectives l'avancement et sur sur l'avancement du projet, vous dire à peu près dans quelle ville on va être, quel jour et quelle heure et comment ça va se passer. Donc voilà, il y a toute une petite mise en place qui doit être faite, vous l'imaginez bien, et cette mise en place sera faite justement avec tous mes collègues et artistes ASMR. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez tout bien compris. Je vous
vous dis à bientôt. N'oubliez pas que le lien du questionnaire est juste dans la description de la vidéo. Donc cliquez là-dessus, remplissez ça, mettez bien votre pseudo, c'est important. C'est très important même. Et une fois que vous avez rempli vos 6 réponses, vous faites envoyer et moi je vais recevoir justement les statistiques. Et ces statistiques justement, là c'est pour les collègues que je m'adresse à eux, ces statistiques je peux vous les envoyer si vous le souhaitez ou vous donner les codes pour voir où ça en est, pour que ce soit le plus transparent possible et pour qu'on fasse quelque chose de cool. Voilà. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui pour moi peut être intéressant, un échange d'idées et puis quelque chose de réel plutôt que de virtuel. Parce qu'en virtuel on en fait tous, mais le réel ça pêche un peu quoi. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que tout a été clair pour tout le monde. N'hésitez pas à répondre à ça, à diffuser ce message et à partager cette vidéo et ce questionnaire forcément. Voilà, je vous laisse. À bientôt.